Un diamant géant, c'est peut-être un des cristaux. Tu cherches aussi la pierre précieuse? Tiens. L'Académie royale vient juste de plier bagages. Et voilà, tous les clans débarquent. Quelle honte. Qui es-tu? Je suis Babus, mage du palais, au service du prince Meo. Il m'a chargé d'inspecter ce territoire. Le mage du Meo. Le prince dit qu'ici quelqu'un cherche à lui faire du mal. Sais-tu quelque chose sur ce criminel? Tu sembles troublé. Qui, moi? Pas du tout. Je n'ai rien fait du mal. Je ne pouvais pas savoir que j'étais dans son rêve. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Je ne savais pas que Meo détestait autant le monde réel. Ton langage est étrange et insolent. Je pense que tu es celui dont parle mon prince. Tu te trompes, j'ai jamais voulu blesser Meo. Je souhaite juste que son monde soit comme avant. Comment? Tu veux faire la révolution? Emparez-vous de lui! La révolution. Salut tout le monde, c'est Inuchi. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et aujourd'hui, on combat Babus et un groupe de je sais pas quoi. Et on va leur botter les fesses. Je compte sur moi. Maintenant, prends Lini maintenant. Lini. Alors, poison arc à ma feu. Hop. Vaincre le boss. Au pire, les persos avec lui, on s'en fout. Hein. Il faut juste battre le boss. Hein. Avant de faire quoi que ce soit. Carte loi. Hop. Au revoir. Voilà. Pourquoi s'emmerder? Enfin, on va tout enlever. Non? Voilà. En votre face. Il n'y a plus de loi. On fait ce qu'on veut maintenant. C'est parfait. On va faire un petit stockage. Sinon, j'espère que vous allez franchement très bien. Ça fait un moment que j'ai pas tourné sur ce jeu. C'est plutôt agréable de retourner dessus. Sachant qu'on a bien avancé dans le jeu déjà. Tu veux changer le monde pour qu'il soit comme avant. Qu'est-ce que ça signifie? Ivalice n'est pas un désert, mais une ville enneigée. Tout a changé, ce n'est pas le monde réel. C'est l'univers imaginaire de Meo comme un jeu vidéo. Il dit n'importe quoi. Ah, tu n'es pas révolutionnaire, juste un fou. Mon dieu, mais il croit n'importe quoi. En même temps, ça paraît bizarre ce qu'il dit. Ce que je dis est vrai. Ce monde est parfaitement réel. Je suis au service du prince depuis des années. Non, Meo n'est pas un prince, juste un garçon normal. Comment oses-tu insulter sa majesté? Franchement, tu devrais fermer ta gueule sur le coup. Tu vas te faire défoncer sinon. Bah il vient lui-même. Oh. Réduit d'un quart. Super. J'adore ce sort. Mais en plus il a raté. Déception. Hop. Je te propose un petit sort à les brasier dans ta face. Oh, en plus je vais lui faire mal. Ah mais en même temps, j'ai renforcé ma magie donc. Boum. Dans ta face. Ça va être très rapide, je vous préviens. Hop. On se met là. Non, on va se mettre là plutôt. Hop. Fusil. Hop. Oh, si je trouve que le one shot. Ça va être le combat le plus rapide du monde. Bah oui, je meurs. Au revoir, c'était un super épisode, allez, au revoir. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas mis le chrono. Merde. Hop. Tu m'as pris en traître. Je me vengerai. Bah franchement, écoute. Je ne comprends rien à cette histoire de monde. Mais tu fais souffrir le prince et cela est impardonnable. Un petit point. Je connais ton visage. Tu m'échapperas plus. Disparition. Bon ben...
Cet épisode était extrêmement court, mes gens. On n'a rien fait. Désolé, mais je ne veux pas rester ici. Tu m'étonnes, moi non plus, je n'ai pas envie. Que un monstre. Et bon, pareil, c'est leur vie. Joyous. What the fuck, c'est quoi cette épée que j'en double? Ah. Oh, j'ai appris des attaques. Cross Avril. Oh, il a réussi. Collaboration. Hop, hop. Lui a raté. Il y a quoi ici? Bouclier gel. Bonne chose. Ici. Bah, du coup, on va faire la mission suivante tout de suite. Hein. Code fer. Nickel. Oh, franchement. Hop. Ici, il y a quoi? Bah, un autre bouclier gel, pourquoi pas. Ici, il y a quoi? Bah, ici, il y a le bar, forcément. Bon, on va aller chercher la prochaine mission. Balsamine. Impossible de dormir, un fantôme super brillant erre dans la grotte Narga. Il faut régler son compte résident insomniaque. On va la faire tout de suite. Voilà. Hop. Et ici, il y a quoi? Nickel. Hop, formation. On va vérifier un peu tout le monde. Hop. T'as une toque foudre. Je préfère que tu mettes une toque feu. Honnêtement. Hop, voilà. Préférable. Bouclier feu, il n'y a qu'un seul de dispo. Toc feu, c'est parfait. Nickel. Si, il y aura quoi comme règle? Lame rapière. Ah, ça me fait chier. Faut que je passe du temps. Faut que je passe du temps. Hop. 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 Je m'entends pas, on passe du temps. Mais c'est une drôle de façon de passer le temps. Hein. Mais je vois pas trop comment faire par ça. La 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 la. Il reste encore quand même pas mal de zones à débloquer. Hein. C'est quoi la nouvelle règle maintenant? Parce que ça change tous les mois. Ah mais ça a pas changé! C'est quoi cette arnaque? Non, c'est bon. Mais change les règles! Ah, c'est mieux. Feu magitant, d'accord. Voilà. Avec ces règles-là, c'est déjà mieux. Sans le feu, on l'utilisera pas, ça c'est clair. Vous avez vite comprendre ce que c'est cette mission. C'est pour. Vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu. Oula. Vous allez vite comprendre pourquoi j'ai voulu mettre des protections contre le feu. C'est bizarre, il y a un esprit juste devant moi. Mais j'ai pas peur du tout. Tant mieux, écoute. Quasi tous mes persos sont protégés contre le feu, de toute façon. Où il va, comme ça? C'est drôle le truc, en dernier esprit, c'est bizarre. Oula. Oh, ouais, carrément. C'était prévisible. Il y avait personne, c'était à douter. Où est passé le spectre? Ah, mais il est là. Il est venu avec nous. Oh. Oula.
Oh, il a l'air classe, lui. On dirait une sorte de dragon. Une divinité. Elle a avalé l'esprit. Intrus. Oh, ton d'où tu viens. Seul mon maître peut approcher le lien du monde. Je suis venu pour détruire le cristal. Ce que tu appelles le lien du monde, je ne partirai pas avant. Trois dragons. Ça déconne pas. Je suis la divinité Adramelech. Mon devoir est de protéger le lien du monde. Tu ne me laisses pas d'autre choix que de t'anéantir, humain. Ça ne déconne plus. Ouais, donc, on pèse au pied. Ouais. Du coup. Hop. Hop. Et on va mettre l'ini. Voilà. Moi ça me va. Vaincre le boss. Juste le boss. Hein. Les autres on s'en fout. Bon, cette mission reste plus difficile que l'autre par contre. Hein. Niveau 15. Oh ah ouais merde. Ah ouais, il est au niveau, ce bâtard. Hein? Il attaque pas ce con? J'étais sûr qu'il a attaqué pourtant. Bon, on va en profiter, écoutez. Bon, l'épisode sera tellement plus long que les autres, hein, du coup. Pas étonnant. Hop. On va tenter. On tente. Allez, on tente. On va pas le faire très mal, par contre. Hein. Quand on peut venir. Hop. Foudre. On peut pas utiliser le feu contre lui du coup, on est obligé d'utiliser la foudre. 50 quand même. De rien. Et là, stop point. Je vais prendre le double. Voilà. Haha. En fait, ce qu'il faut, c'est lui faire le plus de dégâts possible. Et comme vous le constatez, il a déjà pris cher. Hop. J'avais pas une tir à voir contre. Allez. Comme ça on peut utiliser le feu. C'est déjà mieux que rien, tu me diras. Hop. Brasier plus. Nickel. Vous voyez, on va pas lui faire grand chose. Hein. Mais bon, c'est pas très grave ça. Ah bah on a raté les deux. Ah bah on est mauvais. On est très mauvais sur le coup. Bon du coup, qui va attaquer? Forcément les trois là. Mais... Oh. Oh. Oh merde, il me fait mal s'il me touche le bâtard. Il fait mal. Voilà. Oh là là, là qu'est-ce qu'il fout? Oh. Oh. Fuck. Bah adieu. Oh my god. On a tué un sur le coup. Mais putain c'est quoi ces monstres? Ils sont trop haut niveau pour moi. Ah, on va crever. On va rip. Hein. Rip les gars. Ah là 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 là. Putain c'est la merde. C'est la merde. Qu'est-ce qu'on fait?
Bon, on n'a plus trop le choix. Hop. Ouais, ça va lui donner masse de vie. C'est parfait. Exactement ce que je voulais. Nickel. Les persos montent de niveau. C'est bien. C'est une bonne chose. Hop. Pendant cela, nous, on en profite. Et on se tape le boss. Uniquement le boss. Enfin, il y en a deux qui vont se taper en fait. Hop. Ah, en fait, on lui fait mal, donc... c'est pas sale encore. Ça va, on va le buter. Nickel. On a buté un. Donc déjà, possiblement... on a plus de chances de survie. Franchement, qu'est-ce que je fais ? Ah ouais, mais je peux même pas le soigner en fait. Ah, ça fait chier. On va faire un petit brasier plus sur moi. Franchement, on va pas me régénérer beaucoup. Mais ça va faire des dégâts à l'autre. Voilà, c'est le but. Ok. Hop. Non mais lâche. Il a quand même perdu beaucoup de vie. Hein. Regardez. Il a perdu 150 points de vie. Qu'est-ce qu'il fait? Dégâts MP. Oh non, pas les dégâts MP par contre. Ah non, ça c'est pute par contre. Putain. Les dégâts MP c'est de la... Ah c'est pute ça. C'est vraiment pute à souhait. Mon dieu. Fais une attaque feu. Non, tu veux pas. Esquive. 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 Putain, y a pas esquivé. Espèce de nul. Je suis déçu. Fais chier, fais chier, fais chier. Oh putain. On leur fait tellement rien les gars. Hop. Dans le tout, il y en a deux qui sont morts déjà, mine de rien. Oh putain. Esquive. Esquive. Esquive là. Putain. On va tous y passer. À mon avis, c'est mort. À mon avis, c'est mort de chez mort. Mais what. Ils sont pétés à souhait en fait. Je suis choqué. Toi, je te réanime et tu fais quelque chose. Nickel. Magie blanche, on fait vie et on va réanimer notre pote. Ça, c'est tout ce qu'on peut faire. Voilà. Et on fuit. Hop. Désolé, mais non. Je suis pas d'accord. Intéressant. Tu peux faire 52 de dégâts. On fait ça. 52. On a fait 57, encore mieux. Hop, parfait.
Je ramène la Shujo. Est-ce qu'il va se placer? Oh! Qu'est-ce que c'est que cette attaque? Oh putain, c'est quoi ce machin? Il aurait pu m'OS? Bordel! Oh mon dieu! Si je fais glacier... Oh au prochain tour, il faut vraiment le buter. Si on le bute pas au prochain tour, c'est mort. Non, on l'a raté. Dommage. Voilà. On est pas trop mal, ça va. Putain, il revient là, lui. Esquive, s'il te plaît, esquive. Putain, il a encore pas esquivé, quoi. En même temps, c'est chaud. Du coup, bah, lui, on va tenter de lui faire mal. Hop. C'est bien. Il est presque mort le boss en soi. Je sais pas si vous avez vu. Mais il y a moyen de le battre. Oh bah, je peux lui faire mal comme ça. Hop là. On a eu. Bon, il reste encore un espoir. Oh, putain, mais les 100 dégâts et compagnie, quoi. Pff, il a esquivé, ça va. Et moi, je vous dis, c'est terminé. Voilà. Et en plus, niveau suivant. Niveau 12, si je ne me trompe pas. Ah, on a plutôt bien joué, ça va. Plus de peur que de mal, j'ai envie de dire. Mais on aurait pu se faire défoncer, on aurait pu. Je me souvenais pas que c'était aussi dur. Waouh. Qu'est-ce que tu vas dire? Ah, il dit rien. Il dit rien, il disparaît même. Oh. L'esprit a fusionné avec le cristal. Les cristaux ne sont pas que de la magie concentrée. Ils ont un rôle plus compliqué. Ces pierres magiques créent les divinités, qui sont liées aux différentes races. Différentes, pardon. Pouf, le cristal disparaît. Oh. Et voilà, on est revenu. Tiens, le voilà, lui. Encore toi. Oh, Mabus. L'air est différent ici. Qu'as-tu fait? Tu as encore désobéi aux ordres du prince? Maman, où es-tu, maman? Oh, c'est pas fini? Qu'est-ce que... Une jonction! Elle n'a pas encore disparu. Mabus! Prince Mew? Pourquoi suis-je tout seul? J'ai peur. Où es-tu, Mabus? Le prince me cherche? Admettons qu'il y ait bien deux mondes. Pourquoi cet autre univers est-il si important pour toi? Qu'as-tu là-bas que tu ne trouves pas ici? Plus de mystères et d'aventures? Des choses qui justifient la souffrance du prince? Bah en fait... Quoi? Rien ne t'attend là-bas? Tu tortures sa majesté sans raison? Je dois partir, le prince a besoin de moi. Mais la prochaine fois, je serai sans pitié. Il est complètement taré. Mais oh, pardonne-moi. J'ai pas du tout cette affaire. Divinité Mvanga. Nice. Alors, arc double. Ardèche, collaboration. Oh, j'ai pris une attaque.
crois que j'ai bien placé. Bah du coup on va se laisser là parce que ça fait un bon gros épisode d'une trentaine de minutes, je imagine. Peut-être sans doute un peu moins, mais on n'est pas loin. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à balancer le pouce bleu et à vous abonner, ça me fera super plaisir. Et à partager sur les réseaux sociaux également. Voilà. Sur ce, c'était Inuchi. Bye tout le monde.